Je suis Chemino, je soutiens les étudiants du Mirail et j'appelle tout le monde à venir à 18h à la préfecture pour les soutenir. Donc on est ici donc réunis devant la cité administrative dans le cadre de Convergence des luttes entre donc les cheminots, les étudiants, les finances publiques. Donc nous avons eu l'occasion de discuter, d'échanger, donc ça a été très intéressant. Les cheminots aujourd'hui, suite à la décision du tribunal administratif, soutiennent bien évidemment les étudiants dans leur lutte, puisque c'est aussi avec les étudiants et les autres secteurs d'activité que nous battons. Nous dénonçons les attitudes du gouvernement par la méthode qui est employée pour vider les facs par le biais des forces de l'ordre. Nous dénonçons cette méthode de répression. Là, je voudrais parler plus particulièrement pour les étudiants qui sont malheureusement dans une mauvaise passe, parce qu'il va y avoir probablement l'intervention des CRS pour débloquer l'université du Mirail qui a été voulue par la préfecture. Et il y a un rassemblement donc prévu à 18h à la préfecture, donc en soutien des étudiants du Mirail. Il faut absolument venir les soutenir. Aujourd'hui, je suis intervenu en AG pour parler à tous mes camarades cheminots de l'importance de ce qui se passait en ce moment pour les étudiants du Mirail. Il faut savoir que le tribunal a permis l'évacuation du Mirail par les forces de l'ordre. Donc, ces forces de l'ordre peuvent venir à tout moment débloquer la fac du Mirail. Je pense que c'est important pour tout le monde, cheminots et tous les autres secteurs en lutte, d'aller soutenir ce soir les étudiants à 18h à la préfecture. Je tiens à rappeler que les étudiants ont participé à organiser, et même ont plus que participé, puisque c'est eux qui l'ont organisé, le meeting de Convergence des luttes le 10 avril. On se doit d'aller tous les soutenir, comme eux ils nous soutiennent. Et je m'adresse particulièrement aux cheminots qui ont voté une motion de soutien à ces étudiants le 13 avril. Contre toute intervention des forces de l'ordre. C'est aujourd'hui qu'on doit assumer le vote qu'on a fait ce 13 avril et aller soutenir les étudiants en lutte à 18h à la préfecture.